Mais la pierre bleue, c'est une histoire de pays, en fait, la pierre bleue. C'est une histoire du Hainaut. Bon, moi, je viens plus du sud du pays, j'ai vécu dans le Hainaut. Donc, toutes les maisons avaient de la pierre bleue. C'était les marches d'escalier, les seuils de portes, de fenêtres, les trottoirs, les bordures. Un photographe, il écrit avec la lumière. Il essaie d'avoir une image qui soit belle, quoi, qui est... mais avec des contrastes, retrouver une lumière intéressante et qui crée une atmosphère. Quoi. Bon, sans avoir une image qui soit une image personnage, parce que le personnage, pour finir, il est secondaire. Et il ne faut surtout pas que le personnage l'emporte sur le matériau qui est la pierre, qui est pour finir le héros. Il faut exploiter des matériaux qu'on a sur place, qui viennent, qui ne font pas 3000 km ni 20 000 km. C'est des matériaux qui viennent de Belgique. Ils sont très beaux, ils sont nobles, ils sont naturels, et je trouve qu'aujourd'hui on peut encore plus parler qu'hier de retour aux sources.